Oui, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur le Djoliba TV News et dans votre émission Djoliba Focus consacré ce matin sur la disparition de Soumaïlo Boubeï Maïga. Nous nous rappelons tous, voilà, l'ancien Premier ministre nous a quittés le 21 mars, c'était l'année 2022. Cela fait justement 2 ans que SBM, comme on aime l'appeler ainsi, nous a quittés. Cela fait donc 2 ans et nous allons essayer de revenir sur le parcours de l'homme. Voilà, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire. Et aujourd'hui, peut-on savoir quel est le sentiment qui peut l'animer depuis, en tout cas là où il se trouve actuellement. Nous osons espérer dans le paradis où il se repose éternellement en ce moment. Le sentiment qui peut l'animer, voilà, face en tout cas à la situation du pays actuel. Pour parler de ce sujet, nous recevons pour vous, voilà, en tout cas le frère du défunt, M. Tchogoum Boubeï Maïga, éminent journaliste aussi, M. Maïga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, Dieu merci. D'accord, vous allez très bien. Alors, nous savons que le frère, votre frère, Soumaïlo Boubeï Maïga, nous a quitté le 21 mars 2022. Cela fait quasiment 2 ans qu'il a tiré sa révérence. Aujourd'hui, peut-on savoir les actions que vous avez menées, en tout cas à la mémoire de l'illustre disparu? Merci beaucoup, monsieur Traoré. Je salue d'abord les téléspectateurs qui nous regardent. Et ceux qui sont à jeun, on leur souhaite un bon mois de carême. Et puis, bon, une bonne rupture pour la journée d'aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, c'est l'an 2, comme on dit, du décès de Soumaïlo. Au niveau de la famille, on s'est organisé pour faire des sacrifices, faire une lecture de Coran. Et après, on s'est transporté au cimetière de Niaïla, où il repose là-bas, pour aller prier sur la tombe, quoi. Et puis là, depuis 9h, il y a des gens qui passent encore pour présenter leurs condoléances. Oui, parce que Soumaïlo, c'est quand même quelqu'un, quoi. Voilà. Donc, à chaque fois que les gens se rappellent de sa disparition, s'ils ont l'occasion, ils passent présenter leurs condoléances. Et depuis le matin, on est dans ça. D'accord, depuis le matin, vous êtes dans ça. Alors, vous l'avez rappelé, et cela fait 2 ans que Soumaïlo nous a quittés. Aujourd'hui, justement, c'est difficile de parler de vos sentiments, mais peut-on savoir déjà les sentiments qui vous animent aujourd'hui? Parce que nous savons très bien, M. Maïga, que votre frère Soumaïlo est quand même décédé dans des situations un peu troubles. Aujourd'hui, peut-on savoir, est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte? Si oui, à quel niveau se situe-t-elle? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Mais vous savez, dans ce genre de situation, il faut jamais être pressé, quoi. Il ne faut jamais être pressé. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se mettre à l'abri de leur turpitude ou de leur forfait, le temps nous montre qu'il est le seul juge. Il y a des exemples pareils, des gens qu'on a complètement oubliés, les Issénabés qu'on avait complètement oubliés, les Dadis qu'on avait complètement oubliés, que l'histoire a rattrapé et ils ont été jugés en fonction des crimes qu'ils ont commis. Dans le cas de Soumaïlo, laissons le temps au temps. Moi, je pense que jusqu'à présent, la douleur est encore vive. Au niveau de la famille, on n'a entrepris aucune action dans ce sens. Mais Soumaïlo a des amis au-delà de sa famille. Il a des amis au-delà de sa famille qui estiment que, oui, il faudrait que la lumière soit faite. Parce que laisser un être humain malade mourir comme un, vous m'excusez du terme, mais comme un chien parce qu'on ne l'a pas traité. Oui, ça, c'est, je pense qu'il faut être très fort pour l'expliquer aux citoyens, quoi. Deuxièmement, et même ce matin, je le disais à quelqu'un, moi, si j'ai mon animal, ne parle même pas des enfants ou des frères d'une personne, si j'ai mon animal qui tombe malade, j'appelle le vétérinaire. Il dit, ah, vétérinaire, mon animal est malade, essayons de lui apporter les soins. À plus forte raison, un être humain, et dont c'est le droit. Un, c'est le droit de tomber malade. Et deuxièmement, c'est le droit de se faire soigner. Donc, je pense que quand on pense à tout ça, oui, la douleur est encore vive. Parce que c'est des conditions absolument abjectes, quoi. Franchement, le Mali ne mérite pas qu'on ait des morts dans ces conditions-là. Et il y a 2 jours, je disais à un ami qui est au M5, il dit, tu sais, vous passez tout le temps à casser du sucre sur le dos des démocrates.
Et les démocrates, quand ils ont inversé Moussa et son régime, ils les ont jugés, ils les ont condamnés à mort pour certains. Mais à chaque fois qu'ils ont été tombés malades, qu'ils sont tombés malades, ils ont été soignés. Soit ici, soit évacués, ils reviennent. Il dit parce que c'est un droit de l'homme d'être soigné. Donc si on ne peut pas soigner son prochain, ouais, on est quand même capable du tout. Oui, en vous entendant parler, monsieur, beaucoup, monsieur Tchegoum, on a quand même l'impression que vous n'arrivez pas du tout, en tout cas, à gommer. Ah, pas que du les tout. Autorités est réfugiée. Oui, non, pas du tout. Pas cette du évacuation, tout. C'est pas comme une artère dans la gorge. Pas du tout, pas du tout, parce que on a tapé à toutes les portes. Toutes les portes, de bas en haut et de haut en bas, on a tapé à toutes les portes. Toutes les portes où il y a des décideurs. Et tous ces décideurs avaient quand même l'information de la part des docteurs, que ce soit la première équipe mobilisée par Pasteur pour faire le diagnostic, que ce soit la deuxième équipe de contre-expertise formée par le gouvernement, tous les docteurs ont dit, à l'état actuel des choses, le dispositif médical au Mali, il n'y a pas de... ne peut pas prendre la semelle en charge. Et il faut, voilà, il faut l'évacuer pour qu'on le traite. Alors, est-ce que vous pensez que la mort de Soumelou Boumega était vraiment inévitable? Ça, Dieu le sait. C'est le Dieu inévitable, j'allais dire. Oui, seul Dieu le sait. C'est comme dans les circonstances. Comme on dit, on peut être en bonne santé et mourir. Comme on peut être très malade et guérir et puis continuer sa vie. Mais, puisqu'on ne sait pas quelle était l'échéance que Dieu lui a fixée, c'était de lui donner sa chance de se soigner. Et ce qui m'a un peu, pas moi seul d'ailleurs, c'est qu'immédiatement après la mort de Soumelou, avant même son enterrement, comme pour se faire bonne conscience, il y a des gens qui avaient le dossier médical de Soumelou qui l'ont mis sur les réseaux sociaux. Comme pour expliquer aux gens, non, ce n'est plus la peine de l'évacuer parce qu'il était déjà condamné, mais ça, il n'y a que Dieu qui sait. Et on a été obligé d'entreprendre des actions en justice contre les gens qui ont publié le dossier médical de Soumelou pour qu'ils arrêtent. Voilà. Alors, Soumelou, il est quand même considéré comme... Il avait même un sobriquet, hein, on l'appelle le tigre, justement. Mm. Et alors, il était considéré par beaucoup comme étant un résistant. Hein, en tout cas, c'était un roc. Au vrai sens du terme. On peut le dire ainsi. Ah oui. Alors, est-ce que vous pensez que si réellement Soumelou Boubéi vivait toujours, les conditions dans lesquelles, en tout cas, nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il allait vraiment laisser les choses se dérouler comme telles? Le connaissant, non. Le connaissant, non, parce que Soumelou tient beaucoup au respect de la parole donnée. Ça, c'est... Je me rappelle quand il a fait un de ses meetings à Gao, c'est le dernier meeting d'ailleurs, il disait que l'ASMA, son parti, ce qui est vrai d'ailleurs, allait soutenir la transition pour qu'elle respecte les engagements pris jusqu'à la fin de la transition. À l'époque, c'était en février 2022. Oui, je pense qu'une fois que cette date est passée, Soumelou, tel que je le connais, tel que tout le monde le connaît, tel qu'on l'a vu à l'œuvre depuis étudiant, oui, il allait s'organiser, il allait organiser, pas forcément la résistance, mais il allait organiser les partis politiques pour que, par rapport à la situation actuelle, qu'on se dise, non, ça ne peut pas continuer. Parce que, je me rappelle toujours, quand il y a eu le deuxième coup d'État de Assimi, contre Badaou. Il avait rencontré la société civile, la classe politique, et il disait aux gens, non, aucun accord, toi, Abbé Bassoni, Kalo Damado, don de toi, Kalo Konoto de toi. C'est ce qui nous amène en février 2022. Après ça, les arrangements avec la CDAO nous ont amenés en février 2024. Et maintenant, on n'est plus dans rien du tout. On n'est plus dans rien du tout. Or, les Maliens, même s'ils ne parlent pas, ils savent à quel moment la parole du chef où la parole des dirigeants est crédible ou pas. Et je pense qu'on est dans une situation où, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, les Maliens se disent, bon, dans tous les cas, ils ne sont pas crédibles. Parce qu'ils ont toutes les dates qu'ils ont données, ils n'ont pas été capables de les respecter et ils n'ont pas donné des explications qui tiennent la route. Ouais, je pense que Soumelou, de là où il est, ah oui, il se dit, ah oui, il y a quand même un combat qu'il a arrêté. Parce que là, il faut que les gens s'organisent pour qu'au moins on sache quel est le calendrier. On n'a pas de calendrier. On est comme... Je ne dirais pas que c'est une navigation en vue, mais pour le moment, on n'a pas de calendrier. Et je le disais l'autre jour dans un débat, on n'a jamais, au Mali en tout cas, on n'a jamais connu une transition comme ça. La première transition de 91,
C'était pour 9 mois, après on a fait 14 mois. Avec John Kunda, c'était pour 14 mois, après on a fait 18 mois. Une transition qui dépasse un an et demi, deux ans, ah oui, je pense que c'est l'échec total. Politiquement, c'est un échec qui ne peut pas s'expliquer. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas les explications. Voilà. D'accord, on n'a pas les explications. Vous avez certainement ce don d'ubiquité, si on peut dire ainsi, parce que vous projetez même de savoir maintenant le sentiment de Tsumeboué Mega. Ah non, non, forcément. Actuellement. Alors, est-ce que réellement peut-on savoir, est-ce qu'il a des regrets là où il est actuellement? Tsumeboué n'est pas le genre de personne à regretter. Non, regret par rapport à la marche de la transition. Non, je sais, non. C'est-à-dire que je sais qu'il a été parmi les premiers à apporter son soutien à la transition. Contrairement à ce qui s'est dit, on a créé des opposants après, il a été parmi les premiers au moment où certains qui sont aujourd'hui aux manettes combattaient la transition de Bardam. L'architecture institutionnelle de la transition, c'est quand même Tsumeboué qui l'a faite. C'est-à-dire avoir un président, avoir un vice-président, avoir un premier ministre. C'était la première fois. Les gens faisaient un peu l'amour, mais finalement, c'est cette architecture qui s'est imposée. Et quand il y a eu le deuxième coup d'État de Assimi en mai, il était le seul sur les chaînes RFI qui a été coupé malheureusement, TV5 et les chaînes internationales France 24, pour expliquer que oui, au lieu de condamner et de sanctionner ceux qui viennent de faire le coup d'État, il faudrait d'abord évaluer toutes les mesures qui avaient été prises et pourquoi ça n'a pas marché. Donc oui, il les a aidés sincèrement. Peut-être qu'en face, cette sincérité a manqué. Ils se disent, bon, on a un vieux de la vieille qui a de l'expérience, qui peut nous aider à avancer. Peut-être qu'ils se disent, oui, à un moment donné, on va l'utiliser comme un torchon et puis le jeter après. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc cela voudrait bien dire que Tsumeboué Mega, en paix à son âme, a quand même soutenu cette transition depuis ses premières heures. C'était un soutien sincère. Pour l'intérêt du Mali, okay. Il pensait qu'il faut que la transition réussisse. La réussite de la transition pour lui passe par le respect des engagements pris par les différents responsables. Parce qu'il le dit aussi, il l'a dit à Gao, des responsables qui ne respectent pas leurs paroles. Un pays dont les dirigeants ne respectent pas leurs paroles, oui, il n'y a pas de respect à attendre de l'autre côté. Donc c'est pour cela qu'il s'était investi, pour que franchement, on sorte rapidement de ça, et que le Mali... Parce qu'il faut que le pays retombe quand même sur ses pattes. Le pays marche sur la tête avec toutes les difficultés qu'on a, et dès que... on ne peut même pas en parler. Parler aujourd'hui est devenu un acte de courage. Voilà. Parler aujourd'hui est devenu un acte de courage. Moi, je me rappelle la pauvre Rose qui est à Bolé. Oui, elle dit quoi? Que le poivron coûte cher. Mais le poivron coûte cher. À Menaka, ils étaient dans la rue avant-hier, le week-end passé. Toute la ville de Menaka était dehors parce que le kilo de riz était à 1500 francs. Il n'y a pas d'électricité. Il faut bien que quelque part, les gens qui souffrent puissent exprimer leur souffrance sans être menacés, sans être intimidés. Voilà. Et je pense que la transition... doit être quand même un peu aidé par la justice. Oui, parce que jusqu'à présent, les geôles sont remplis. Les prisons sont remplies de personnes respectables, de personnes qui offrent toutes les garanties de représentativité. C'est-à-dire que les personnes, quand vous prenez le président de l'Assemblée nationale, Sidibé, vous prenez Madame Philly, ils ont toute la représentativité. On sait où est Louge, on sait où est-ce qu'il travaille, on sait où tout Boulikatayoshi, on peut les mettre sous contrôle judiciaire. On n'a pas besoin de remplir les prisons. C'est des personnes âgées qui ont servi l'État au sommet. Parce que président de l'Assemblée nationale, ministre des Finances, ah oui, ça, c'est pas le petit balabana. Oui, mais c'est quand même des personnalités de l'État. Mais est-ce que ici, réellement, elles sont quand même incriminées dans des affaires de détournement ou en tout cas... On attend de voir. On attend de voir parce que quand je prends le dossier des Tsumeboué, ce qui a valu à Tsumeboué d'être en prison et de décéder finalement, qui voit à Philly d'être abolé, mais un dossier qui a valu... Moi, je me rappelle toujours, le procureur Timbo est sorti à la télé, flash spécial à l'OTM. Rouge, c'était grave. Bon, quand tu fais ça, 3 ans après quand même, tu dois pouvoir dire aux gens, oui, on a des éléments concrets et on les tient. Mais rien, on ne les écoute même pas. Philippe, je pense, si je ne m'abuse, aux dernières nouvelles, elle n'a pas été écoutée plus de 2 fois, 3 fois. On lui a demandé de sortir, elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'en a pas. Donc je pense que la justice, c'est bien. Okay.
Mais la justice doit se faire sur la base de la loi. Parce que la justice est la garde de la loi. Si la justice ne garantit pas la loi pour tout le monde, moi je pense qu'on n'est pas loin de la jungle. Quoi. Très bien. Ceci nous conduit, M. Tchigom, si vous nous permettez, à ce édito. Je sais que vous aimez beaucoup les éditos de Mohamed Atter Ali Dou, dont il a le seul secret. Lui, hein. Donc il a fait un édito sur la disparition de Soumaïdou et Maïga. Nous vous proposons de revenir, en tout cas, sur cet édito de Mohamed Atter Ali Dou Maïga. SBM. Lorsque des initiales s'imposent et imposent à l'histoire leur tonalité. Journaliste de formation, serviteur de l'État et de la République, Soumaïlou Boubaï Maïga a tiré sa révérence le 21 mars 2022. La nouvelle de sa disparition a été un véritable coup de massue. Le combattant de la liberté qui a combattu au péril de sa vie, le général président Moussa Traoré, va quitter définitivement la scène politique sans dire au revoir à sa famille, à ses amis, à ses camarades de lutte. Il ne fêtera pas avec eux la commémoration du 28 mars de cette année. Lui qui a été un acteur de premier plan pour l'avènement de la démocratie au Mali. Son rêve de briguer la magistrature suprême de notre pays s'écroule et s'arrête dans ce lit de la clinique Pasteur où la mort le surprendra. Homme d'État et mystérieux personnage, il a gardé sa légendaire discrétion même face à la mort. Parti répondre à une convocation de la justice pour une supposée affaire de détournement, l'homme ne reviendra jamais et c'est son corps sans vie qui sera remis à sa famille. Homme de dossier et de devoir, Soumaïlou Boubaï Maïga voulait laver son honneur en acceptant de répondre à la justice de son pays. Résultat des courses, il ne verra ni le juge, encore moins la justice. Détenu dans des conditions infrahumaines, avec 93 détenus de droit commun, l'ancien Premier ministre du Mali va mourir en détention dans des conditions qui n'honorent ni l'État du Mali, encore moins la République. Tout se passait comme si Soumaïlou Boubaï Maïga n'avait jamais servi le Mali. Mon Dieu, où est l'état de droit? Où est la justice? Que signifie désormais dans notre pays la présomption d'innocence? Qui avait peur de ce procès? Qui avait peur de la manifestation de la vérité dans cette affaire pour qui Soumaïlou Boubaï Maïga a payé le sacrifice ultime? La mort de Soumaïlou Boubaï Maïga est un symbole saisissant de la faillite de notre État, de ses marques, de la marque de notre justice. Une justice qui doit rassurer le citoyen. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le reste n'est que folklore pour amuser la galerie. Oui, mal nommer les choses, c'était ajouter au malheur du monde pour parler comme Albert Camus. En démocratie et dans la lutte contre la corruption, le rôle de la justice est déterminant. Elle est la gardienne des libertés et de toutes les libertés. Elle a pour mission de défendre les intérêts de la veuve et de l'orphelin. Et pour ça, elle doit apporter des réponses pragmatiques et non des solutions cosmétiques et fantaisistes pour plaire au prince du jour. Le juge ne doit jamais oublier son serment.
celui de dire le droit en tout lieu et en toutes circonstances, au nom du peuple malien qui lui a confié cette mission ô combien difficile. Le refus de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques et politiciennes doit être aujourd'hui le cheval de bataille de la justice malienne. En attendant, méditons ensemble sur ces paroles pleines de sagesse et d'avertissement prononcées par feu maître Abdoulaye Garba Tapo, alors ministre de la Justice, garde des Sceaux, sous le magistère du président ATT. Je cite. Un pays a beau être pauvre, les citoyens ont beau végéter dans la misère, s'il existe un minimum de justice, alors l'espoir demeure. Si ce minimum n'existe pas, alors nous courons tous vers la dérive. Fin de citation. Que Dieu nous en préserve. Dors en paix, le tigre, vous avez perdu votre dernier combat face à la mort, combat qu'on ne gagne jamais. Oui, voici l'unique combat que le tigre aura finalement donc perdu. Voilà, le combat contre la mort. Nul ne résiste à la mort. Commentaire. Ouais. Non, moi, je pense que Attaé est un excellent journaliste. Très bon. Un excellent journaliste et je suis fier de lui. Et je me plais à dire qu'on a fait le même moule, quoi. Deuxièmement, il a le courage de ses opinions parce que l'éditorial, c'est quand même déjà rédaction d'opinion. Sur des faits, on ne va pas, c'est sur des faits. Effectivement, tout ce qu'il dit, c'est la vérité, quoi. Un pays où il n'y a pas de justice, c'est la chienlit qui va s'installer. La chienlit qui va s'installer. Un pays où la présomption d'innocence n'existe pas, parce que les sommeilleux, c'est ça. Ils ont été présumés coupables. Voilà. C'est pour ça que... Voilà, on les a arrêtés. Alors que, comme je l'ai dit, il présente toutes les présentations pour la garantie de représentativité. Il n'est même pas caché. Son domicile est au bord du goudron. Il aurait pu, comme certains partir, il avait l'occasion. Mais non, il a confiance à la justice. Il y a des magistrats qui lui ont dit, si tu vas, ils vont t'arrêter. Il dit, ce n'est pas ça mon problème. Mais je vais fuir pour aller où? Mais qu'est-ce qu'on va dire à mes enfants? Oui, Soumelou croit en la justice. Mais est-ce que penser qu'un Soumelou Boubou Maïga le fuit, ce n'était pas mal contre l'homme? On sait très bien que c'était l'un quand même. Ouais, mais il y a fait tête au général. Il y a beaucoup de malveillance. Il y a beaucoup de calomnie. Oui, il y a plein de calomnie. Soumelou n'a jamais voulu répondre à tout ce qui s'est raconté sur lui. Tout le monde sait que c'est faux, mais on voulait qu'il parle. Il n'a jamais voulu parler. Sinon, on sait très bien que ce n'est pas le genre... Ce n'est pas une impicassiette. Hein. Ce n'est pas un nègre fin. Voilà. Et nous, de la famille, comme ceux qui... Pour lui, l'action est éteinte. Mais on va suivre. Ah oui, il faut qu'on nous dise concrètement qu'est-ce que Soumelou a pris comme argent. Voilà. Les filles sont là, on va les assister. Pour que le peuple malien sache où est la vérité. Est-ce que actuellement vous travaillez afin que en tout cas la vérité, toute la vérité puisse éclater dans cette affaire Soumelou Boubou Maïga? Parce que nous savons très bien, vous l'avez rappelé tantôt, c'est la même affaire qui concerne Mme Philippe Boiré aussi, qui court dans les prisons depuis pratiquement un bon moment. Vous savez que s'il y a un dossier clair, c'est ce dossier-là. Il n'y a aucun élément nouveau à attendre. Aucun. Tous les éléments sont dans le dossier. Donc, travailler... Il n'y a pas à travailler. Nous, on est sereins. La vérité n'a pas besoin d'être aidée. Hein? Comme on dit, à la catinée demain. Mais la vérité va éclater. Ah oui, et je sais que Soumelou sera blanchi. Il sera blanchi. Les filles, on va les relâcher parce qu'il n'y a rien. Je le dis souvent, on a un gros problème, et ça, c'est à tous les niveaux, de ressources humaines de qualité. Et je pense que les magistrats qui sont chargés des dossiers financiers gagneraient à être formés sur les finances. Parce que voir des gros chiffres et penser qu'il y a quelqu'un qui les a empochés, non, non, non. Il faut savoir les mécanismes, il faut avoir les bonnes explications pour ne pas mettre des innocents en prison. Voilà.
Béro, c'est quand même très émouvant. Je vois que l'édito vous a fait couler quelques larmes. Ah oui, quand même. C'est quand même avec le maillot solo à terre, vous l'avez dit. Tout à fait. Le secret de son édito. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Un message aujourd'hui aux autorités de la transition, au peuple malien, en tout cas afin que nous puissions sortir de tout ça et qu'ensemble, qu'on puisse donner la main pour construire un pays, en tout cas, où il fait bon vivre. Soumaïlou a toujours été un rassembleur. Les gens ont beau l'insulter, même dans l'adversité politique, il est toujours avec les gens qui ne l'aiment pas. Donc moi j'invite les autorités de la transition à rassembler les Maliens. Quoi. Voilà. Comme je me l'ai dit souvent, un peuple divisé ne va nulle part. C'est un peuple divisé qui est dans la pauvreté, qui est dans la misère, qui est dans l'obscurité, on n'ira nulle part. On est obligé de nous rassembler, de nous donner la main pour sortir. Et mais pour sortir, faudrait-il qu'on nous montre le chemin. Je pense qu'il revient aux autorités de la transition de comprendre que ce n'est pas un mandat qu'on leur a confié. C'est une transition à terminer le plus vite possible. Contrairement, même si ça déplaît aux gens, il faut qu'on aille aux élections. C'est ça la démocratie. Il faut qu'on aille aux élections. Ah oui, c'est pour ça que les Maliens se sont battus en 91. Ceux qui se sont battus contre Ibeka, c'était contre Ibeka, ce n'est pas contre la démocratie. C'était contre des hommes qui ont mal géré la démocratie. Donc il faut rassembler les Maliens, réunir les conditions pour sortir de la transition, pour que le pays est fatigué. Le pays est fatigué. On a l'autre, j'écoutais le président du CNPM sur RFI. Parce que bon, même s'ils ont coupé, grâce à Dieu et grâce à Internet et aux satellites, on peut quand même capter RFI. Mais la situation qu'il a eue à dépendre de l'économie du Mali, mais c'est très effrayant. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas de partenaire. Il n'y a personne. On tourne sur un petit budget de 3 000 milliards. On est obligé d'aller sur le marché international, prendre de l'argent à des taux prohibitifs. Oui, il faut qu'on sorte de ça. Parce que tant qu'on est dans une situation d'exception, les investisseurs ne viendront pas et les partenaires ne nous feront pas confiance. Donc je les invite. Ils entendent plein de choses. Il y a plein de choses, plein de personnes qui s'arrangent d'être dans une situation comme ça parce que c'est dans ça qu'ils gagnent leur pain. Mais le pain de quelques-uns ne vaut pas l'intérêt du pays. Quoi. Il faut qu'on sorte de cette situation. D'accord. Voilà. Merci à vous, M. Choubou. Merci bien, d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, ça a été fait de façon inopinée. Ouais, tout à l'heure, bon, on est toujours prêts. Merci, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle qu'aujourd'hui, comme c'est la commémoration des 2 ans de la disparition de Soumaïlou Boubou-Maïga, nous nous rappelons, il nous a quittés le 21 mars 2022. Nous prions Dieu pour que son âme repose en paix. Ainsi va la vie, comme l'a si bien dit le frère Cadet, voilà, que la vérité, toute la vérité triomphe dans cette affaire. Merci de nous avoir suivis. Plein d'œil à toute la grosse équipe qui nous a aidés à réaliser cette émission, à sa tête Lamine Koulibaly, Salimata Ouedraogo, Youssouf Sangaré, Moussa Haïdara, sans oublier le maestro qui est en tout cas de l'autre côté de la belle vitrine, M. Mohamed Atel Alidou, qui est en train de veiller au grain afin que tout se passe bien. Merci infiniment, le grand boss, pour tout ce que vous faites pour la jeunesse de Djoliba. Que Dieu vous garde aussi longtemps parmi nous. Merci, à très vite. Au revoir.